Salut à tous, si je vous dis chocolat, on arrive à Pâques bientôt, ça pourrait être une idée de gâteau pour Pâques. On va faire un moelleux chocolat mascarpone super simple avec un beau glaçage, vous allez voir. Alors vous allez voir la texture qu'on obtient, il est vraiment topissime. Et on va se faire un glaçage avec, vous pouvez prendre soit des éclats d'amandes torréfiées, soit des éclats de fèves de cacao ou de pistache, etc. Je vais vous montrer ça et ça ressemble vraiment à la texture d'un rocher. On commence tout de suite par faire fondre le chocolat. Donc dans un grand bol, le plus simple au micro-ondes, en général, moi je fais deux fois une minute et ça marche très bien. Alors j'en profite, comme on utilise dans cette recette du chocolat qu'on fait fondre, pour vous donner une astuce. C'est une question que vous me posez tout le temps. Quand on met du chocolat fondu dans une préparation souvent froide, à base de crème, etc., il y a un phénomène qui se forme, des petits copeaux de chocolat. Voilà, ça se mélange pas bien. Ça, c'est la différence de température, le choc thermique. Donc en gros, commencez toujours votre recette par faire fondre le chocolat, vous le lissez avec un fouet, vous le laissez dans un coin et vous le récupérez après 20 minutes, par exemple. Comme ça, il a température ambiante et vous n'avez pas cette différence de température. Alors c'est parti, avec le bol d'un robot, on va commencer à détendre le mascarpone, tout simplement. On va ajouter ensuite les œufs un par un. Alors n'hésitez pas à venir racler les parois du bol en cours de mélange. On va mettre un petit peu d'extrait de vanille. Voilà, parfait. Petite modification de dernière minute. Si vous avez suivi il y a quelques vidéos, je vous ai fait du praliné maison. Eh bien, je vais mettre une cuillère à soupe de praliné maison. Ça va donner un côté de noisette grillée à mon moelleux là. Ça va être génial. Allez, on ajoute le chocolat. Voilà, donc important, le chocolat doit être à température ambiante pour éviter la formation de petites paillettes de chocolat. Là, vous voyez, on a un beau mélange bien homogène. Vous voyez, on a une texture de ganache, le chocolat est vraiment bien mélangé. On va ajouter les ingrédients secs. Donc, on tamise la farine, sucre glace. Moi, je mets un peu de fleur de sel, comme je vous disais. Alors, je ne mets pas dans le tamis, sinon ça ne va pas passer. Voilà, quelques grains de fleur de sel. On tamise, par exemple, en deux fois. Et avec une spatule, on va venir intégrer la farine. Je vais utiliser un petit moule à fond amovible. C'est toujours plus facile pour démouler les gâteaux. Je le prends volontairement pas très grand en diamètre. Là, il fait 18 cm de diamètre. Vous allez beurrer et fariner le fond ou utiliser un spray de démoulage, très pratique. Ça vous permet du coup de sortir vos gâteaux plus facilement. On va répartir la préparation dans le fond. On étale un petit peu la préparation. Là. On cède une spatule. Voilà, et on est prêt pour la cuisson. Ouh, il y a le côté praliné là qui est vraiment ouf. On y va pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors pour le glaçage de notre moelleux chocolat, vous allez pouvoir utiliser cette recette qui est super simple, trois ingrédients. Il vous faut du chocolat au lait idéalement, de l'huile de pépins de raisin, 40 g, et soit ici j'ai des éclats de pistache ou des éclats de fèves de cacao ou des éclats d'amandes ou de noisettes. On commence par mettre le chocolat dans un bol et on y va au micro-ondes tranquille. En général, deux fois une minute, encore une fois, ça suffit. Et on va ajouter l'huile de pépins de raisin à présent. Allez, on émulsionne comme une mayonnaise. Et ensuite, on va mettre les éclats de fèves de cacao. Et on va laisser refroidir un petit peu. Donc, on va laisser s'épaissir en refroidissant. La lame ressort sèche, on est bien. On va le laisser refroidir et ensuite, on va le glacer. On dispose le gâteau donc sur un lèche-frite ou une plaque. Comme ça, on va récupérer le glaçage en excédent. Et puis ensuite, c'est très facile. On va venir mettre donc le glaçage. On mélange encore une fois et on verse simplement sur le gâteau. Voilà votre moelleux au chocolat. Facile, peu d'ingrédients, avec un bon goût praliné et surtout un super glaçage. N'hésitez pas à refaire cette recette à la maison. Likez en commentaire si vous avez aimé. Et donnez-moi des idées pour les prochaines vidéos. J'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez que je vous prépare, notamment avec les événements qui arrivent bientôt. On a Pâques, on a la fête des mères, c'est bientôt la saison des fraises. On a l'été qui approche, allez, si on se projette un petit peu, donc n'hésitez pas, à votre écoute. À très vite sur RV Cuisine, ciao!